Salut tout le monde, ça c'est l'éponge de cette carte. J'espère que vous allez très bien, tout simplement. Car moi je vais toujours bien votre compagnie. N'oubliez pas de lâcher un petit like s'il vous plaît, de faire partager. Je compte sur vous pour cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes publications. Donc voilà. Donc nous sommes sur Match à mort par équipe. Comme vous avez remarqué. Donc, ne m'en vais pas hein, si je fais pas des scores de ouf. J'essaie en tout cas de reprendre la main sur le jeu de Call of Duty. Ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas proposé une vidéo sur Call of Duty. Donc voilà, je suis là pour vous proposer ce match à main par équipe. Enfin, Call of Duty et ce match à main par équipe. Voilà. Donc un map, le nom des maps, moi je connais pas trop, puis voilà, j'ai une petite latence là. J'ai une petite latence, mesdames et messieurs. Oh, ça fait du bien ça, ça fait chaud au cœur. Oh, en même temps, un petit défi qui se déclenche. Oh. Ah, j'ai du mal un peu là, j'ai du mal par rapport à au viseur. Ah, bien joué à lui. Pour l'instant, on mène 22 à 16. Non, 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 pas incendiaire, pas incendiaire. Bon, petite vengeance. Non, ça même pas, une petite vengeance. Ah, il s'est vengé à ma place. Mais tu vas mourir, oui. Parce qu'il est voiture. Bon, je reste pas là parce que sinon il va faire la peau. Là, je t'ai vu. Eh ouais, mec, je suis là, moi, je suis là. Tu m'as pas vu. Lui avec son fusil à pompe. Mais je pense qu'il y a certains armes qu'ils ont jamais dû laisser sur Call of Duty, parce que des bombes incendiaires comme ça, c'est vrai que ça existait dans l'ancien temps, mais ils ont dû quand même laisser l'arme telle qu'elle est, c'est-à-dire l'arme qu'on a le droit, enfin, on a l'habitude de jouer sur Call of. T'es où? Bon, bien joué. Qu'on a l'habitude de jouer comme de mitraillette, fusil d'assaut, pistolet, etc. Plus la grenade, pourquoi pas, parce que la grenade, on peut pas s'en échapper. Tous les petits trucs comme incendiaire et tout ça, ils ont jamais dû laisser, parce que c'est vrai que c'est vraiment gavant et rageant, surtout pas que pour moi. Moi en tout cas, ça, après quelque part je m'en fous un peu parce que ça fait partie du jeu, mais pour quand même, pour que les gens y restent dans le jeu, il faut qu'ils ragent moins quoi. Moi c'est ce que je trouve sur chez Activision, c'est que les gens ils ragent beaucoup pour un petit truc, enfin un petit truc. Pour moi c'est vrai qu'on trouve pas vraiment les mots hein, on va dire toutes les excuses sont bonnes hein, que dès qu'on trouve qu'il y a un truc qui va pas, bah ça y est on rage. Mais bon, après on va dire que les clients sont rois hein, comme je disais dans mes précédentes vidéos qui étaient très très longtemps. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par là? Hop, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde, mais est-ce que je peux contourner? Est-ce qu'il est. Oh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Par contre là oui ça se voit que je fais pas de meilleur score hein. Je joue sur Call of en ce moment, mais c'est plus comme avant, comme vous avez remarqué hein, je me répète encore hein, je me répète encore un peu trop même, et ça se voit que j'ai beaucoup perdu la main hein, par rapport à mes tirs, ma manière de tirer, ma manière de viser.
Et ma manière de déplacement, on va dire, Call of, c'est toujours pareil, hein, on perd jamais la main. C'est-à-dire, on perd jamais la main, mais après c'est... Où est-ce qu'il est? Ah, dommage, 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 dommage. Donc voilà. Ah ben voilà, victoire pour nous. On a quand même bien joué, hein. Mais en tout cas, je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de faire partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes amis.